Alors, Baby Blues est une série. Est issue donc de ce livre, donc Baby Blues. Dont Noémie est l'héroïne principale, qui est enceinte de 7 mois, de son premier enfant, et ses meilleurs amis sont déjà parents. Donc, ils vont un petit peu l'aiguiller. En fait, la maternité, c'est la guerre du Vietnam. Ah non, quoi. C'est pire. Noémie, jeune femme de. Bah, à peu près mon âge, 25-27 ans, enceinte de 7 mois. Elle est pleine de dynamisme, très fraîche et très speed et à la fois très angoissée. Et Elisa est un personnage un peu psychorigide. C'est-à-dire qu'elle aime, je pense, les choses carrées, bien rangées, dans le bon ordre. Elle est un peu moralisatrice, je pense. Et du coup, son rôle dans cette bande d'amis, je pense qu'elle est un peu... Elle a un petit côté maternel que j'ai trouvé assez marrant. Son principe, c'est que dans la vie, je ne suis pas franchement maternelle. Et du coup, ça m'a poussée à aller... travailler plutôt de ce côté-là, me demander justement ce que je pouvais donner dans ce genre de travail. Alors Gigi, c'est un personnage, donc la trentaine, très faux-folle dans sa tête, très sympathique, très marrante, qui vit pas vraiment dans la réalité, enfin, c'est-à-dire qu'elle elle travaille pas, elle vit tout pour son petit bout qui a 8 mois, Théo, et c'est une vraie fille, ça c'est sûr, c'est une bonne fifi, mais très sympa et elle fait partie de ce groupe d'amis donc qui est la base de la série. Giorgio est le compagnon de Noémie, Noémie étant le personnage principal, donc une jeune femme enceinte de 7 mois. C'est un jeune homme sicilien, cuisinier, un petit peu extraverti, extravagant, qui est très drôle à jouer puisqu'il est... Il est très drôle dans sa gestuelle, il est très drôle, il est plein d'énergie, une énergie débordante dans sa façon de parler, dans sa façon de s'exprimer. Voilà, il est plein de mimiques, plein de gestuelles, de grimaces. Donc c'était un personnage très très intéressant à travailler. J'ai la chance de faire Momo, le compagnon de Fab, le copain homosexuel de l'héroïne. Dans le livre d'où Baby Blues est tiré, ce Momo en question est un riche rentier égyptien. Mais j'ai pas vraiment le faciès égyptien, donc il va y avoir une petite modification au niveau de ses origines. Mais voilà, je vais rester rentier, un peu flemmard, dans le sens où, comme l'argent lui tombe du ciel, pour lui, la vie est tranquille. Et ils ont adopté, donc ces deux, ce couple homosexuel, ont adopté une petite Cambodgienne de 3 ans. Voilà, donc c'est un projet à produire parce que Baby Blues mérite de voir le jour. Voilà. Eh ben, la frette alléchante, hein. Faites des gosses. Donc ne pas hésiter à aller voir la page, à liker, à partager, à en parler, à aimer, dire pourquoi j'aime pas, voilà.